Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment contourner le verrouillage d'activation iCloud gratuitement. Hello, like, subscribe. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes par rapport au fait que sur la chaîne, il y a plus de services payants. Alors, j'ai fait un sondage sur Telegram. Il y a plusieurs personnes qui ont voté pour la vidéo du déblocage ou alors appeler le contournement du verrouillage d'activation iCloud gratuitement. Je tiens déjà à vous dire, allez vous abonner sur la chaîne Telegram. Donc là-bas, je fais toutes les actualités, je mets sur Telegram. Donc même les liens de mes nouvelles vidéos, je les mets sur Telegram. Alors, allez maintenant et abonnez-vous sur Telegram. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire le contournement du verrouillage d'activation iCloud gratuitement. Pour tous ceux-là qui ont un iPhone XR et autres, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer le secret pour débloquer tous les iPhones. Commencez d'abord par laisser un like sur cette vidéo et partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous rencontrez un problème lors du visionnage de cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Les liens de tout ce que nous allons utiliser dans cette vidéo se trouvent à la description. Donc ne vous inquiétez surtout pas par rapport aux liens de téléchargement. On se retrouve à la fin de la vidéo. Salut une fois de plus, ici nous allons parler du déblocage des iPhones bloqués sur le verrouillage d'activation iCloud gratuitement. Donc actuellement j'ai un iPhone 6, comme vous pouvez voir là c'est un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc je vais vous montrer comment débloquer cet iPhone-ci gratuitement. Donc c'est une application que j'ai déjà eu à faire une vidéo par rapport, mais elle avait disparu, donc elle est de retour. L'application, elle est assez simple à utiliser. Donc, ce que vous devez faire, vous avez d'abord jailbreaké votre iPhone. Donc, après le jailbreak, maintenant, il va falloir tout simplement connecter votre iPhone à votre PC. Je vais d'abord vous montrer que cet iPhone ici, elle est bloquée sur le verrouillage d'activation iCloud. Pour tous ceux-là qui ont des iPhone XR et autres, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une méthode gratuite pour débloquer votre iPhone XR ou alors autre type d'appareil gratuitement. Donc là, comme vous pouvez voir, l'iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Ça signifie qu'il y a un compte iCloud lié à cet iPhone-ci et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez contourner ce verrouillage d'activation iCloud. On va aller directement sur notre PC. Cette application, si ça fonctionne uniquement sur les PC Windows, donc si vous avez Mac, alors vous pouvez regarder autre vidéo sur la chaîne qui va parler du déblocage pour Mac. Donc avant de connecter votre iPhone à votre PC, il va d'abord falloir effectuer ce qu'on appelle le jailbreak. Pour tous ceux-là qui ne savent pas comment faire le jailbreak, alors regardez tout simplement sur le lien à la description de cette vidéo. Je vais laisser une vidéo qui va vous permettre de faire le jailbreak. Moi actuellement, j'ai déjà fait le jailbreak sur mon appareil. Nous allons maintenant aller et nous allons télécharger et installer l'application. Maintenant, nous allons aller dans notre PC et il va falloir télécharger cette application. J'ai laissé le lien à la description de cette vidéo. Vous allez être dirigé vers le groupe Telegram où vous allez télécharger et installer l'application FRP File. Cette application va vous permettre de faire le bypass gratuitement. Donc ça, c'est une application all-in-one, donc c'est-à-dire une application plusieurs en un. Donc voilà, vous allez télécharger ceci et vous allez l'extraire. Tout est à la description de cette vidéo. Lorsque vous allez extraire le fichier, il va falloir tout simplement cliquer sur FRP file all in one et vous allez tout simplement l'ouvrir comme ceci. Voilà, comme vous pouvez voir, l'application elle est là, elle est assez simple à utiliser. Voici notre iPhone et voilà l'application. Donc nous allons tout simplement les mettre côte à côte. Et ici, il va falloir enregistrer votre numéro de série. Donc, pour l'enregistrement, c'est gratuit. Donc, vous allez voir ici, ça signifie que je n'ai pas encore enregistré mon numéro de série. Ce que je vais faire, je vais juste appuyer là afin d'enregistrer le numéro de série. Une fois ici, il va falloir cliquer sur le premier lien afin d'enregistrer votre numéro de série. Voici la page de l'enregistrement. Maintenant, on va descendre loin en bas, il va falloir enregistrer le numéro de série. Donc ici, il va falloir entrer le numéro de série de l'iPhone. Et pour avoir le numéro de série de l'iPhone, c'est assez simple. On va tout simplement ouvrir l'application FRP File. Et ici, il va falloir juste faire un clic droit afin de copier le numéro de série. Voilà, le numéro de série a été
copier, on va cliquer sur OK, puis on va retourner dans le site. Voilà, ici il va falloir entrer le numéro de série. On va juste coller le numéro de série. Et puis cliquer sur Submit. Comme vous pouvez voir, ça dit félicitations, notre numéro de série a été enregistré. Maintenant, il va falloir retourner dans l'application et on va déconnecter notre iPhone, puis reconnecter à nouveau. Et là, je vais toujours vous montrer que l'iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Comme vous pouvez voir, le message qui dit register, donc ça signifie que l'enregistrement a été fait. Donc maintenant, on va juste cliquer sur Bypass Hello Screen afin de pouvoir contourner le verrouillage d'activation iCloud. Regardez très bien la magie qui va s'opérer. On va appuyer là et puis on va juste patienter. Vous allez voir que l'iPhone va s'activer automatiquement. Voilà, le bypass a été effectué. Donc maintenant, on va activer l'iPhone normalement. S'il vous plaît, laissez un like. Partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez rencontré un problème, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Maintenant, on va activer tout simplement le téléphone. Comme vous pouvez voir, le message qui dit « Bypass successful ». Donc, ça signifie que le téléphone a été bypassé avec succès. Le téléphone a été bypassé. Maintenant, nous allons juste activer le téléphone normalement. Voilà, le déblocage a été effectué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez redémarrer le téléphone et faire tout ce que vous voulez avec, mais à l'exception, vous n'aurez pas les appels. Cette méthode elle fonctionne à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone X, iOS 12 jusqu'à iOS 14.8.1. Donc, vous pouvez regarder les références à la description de cette vidéo-ci. Voilà, j'espère que maintenant vous pouvez débloquer votre iPhone gratuitement. Et par rapport à ceux qui ont un iPhone XR, alors je vous propose de regarder la vidéo qui va s'afficher là à côté. Et là, vous aurez la possibilité de débloquer n'importe quel iPhone, même un iPhone 14 Pro Max. Alors, vous pourrez le débloquer gratuitement grâce à cette méthode. S'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous. Faites qu'on arrive au moins à 100 000 abonnés très bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo.